Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un peu particulière pour un retour de ce qui a pu se passer cette année pour moi. Et je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai mon petit carnet où j'ai noté tous les moments marquants positifs, mais dans ma tête, il y a les moments marquants négatifs. Je vais couper cette vidéo en plusieurs parties, c'est-à-dire que la première partie ce sera mes études, parce que oui, cette année, j'ai eu mon master. Et la deuxième partie, c'est tout ce qui a pu être fait en dehors de mes études, c'est-à-dire le blog, la chaîne YouTube et tous les petits trucs que j'ai fait avec. Commençons tout d'abord par les études. Tout d'abord, cette année, j'ai eu mon master de information et communication, médias, genre et cultural studies. C'est un nom extrêmement long. Ces débuts ont été un peu chaotiques, puisque arrivé en décembre, à la mi-décembre même, j'ai arrêté d'avoir cours parce que grève des enseignants, grève des transports et 10 milliards de personnes qui manifestent dans les rues, bien sûr 10 milliards j'exagère, mais bon bref, mes cours ont dû s'arrêter. J'ai repris en janvier et qu'est-ce qui s'est passé en mars? Le coronavirus. Et ce bon vieux corona, bah pour les études ça va pas vraiment aider, puisque déjà il y a un seul prof qui nous a fait cours, un seul, les autres nous ont donné des devoirs maison, et moi, comme je passais un master, j'avais un mémoire à rendre, donc mémoire que j'ai rendu fin septembre. Enfin, j'ai eu mon oral fin septembre, je l'ai rendu mi-septembre. Je faisais un mémoire sur les tueurs en série et leur représentation à l'époque où ils ont été arrêtés face à celle qu'on en fait maintenant avec les films, les séries, les documentaires, etc. Et moi, de base, je me basais sur les livres de Stéphane Bourgoin. Vous sentez le problème arriver si vous avez suivi un minimum l'actualité ? Donc pour mon mémoire, je me basais sur Stéphane Bourgoin et devinez, en plein confinement, qui décide d'avouer que toute sa vie n'est qu'un mensonge et qu'il n'est pas du tout criminologue, qu'il n'a pas du tout bossé avec le FBI ni rien du tout. Stéphane Bourgoin. Là, comment vous dire que mon mémoire s'effondre en fait parce que ma base principale est un menteur. En panique, j'écris un mail à mon directeur de mémoire qui est censé être un support, qui est censé me soutenir, qui est censé m'aider. Non. Je reçois un mail automatique et visiblement il était très malade, donc du coup, bon, il a dit qu'il me recontacterait. Il m'a recontacté quelques jours plus tard en disant « Oui, n'utilise pas Stéphane Bourgoin. Point. » Alors, ce qu'aurait été bien, c'est qu'ils me disent « Par contre, je te conseille du coup des livres de chercheurs, etc. pour ton mémoire de recherche. » Ce n'est pas arrivé. Ce n'est jamais arrivé. Il ne m'a aidé sur rien du tout. Moi, je lui ai quand même envoyé la liste des livres que j'allais utiliser. Donc il avait la liste des livres. Retenez bien ça. Il avait la liste depuis mars. Retenez bien ça. Donc tous les livres que je lui envoie, c'était fait par des profs de fac, par des journalistes, par d'anciens agents du FBI. Mais il n'y avait pas de chercheurs parce que je n'en trouvais pas. Donc j'ai basé mon mémoire là-dessus. Tous ces livres étaient écrits en anglais et pas de version française. Comment vous dire que j'ai dû apprendre à lire l'anglais en quelques mois et c'était des livres de 300-400 pages. Ça a été des mois compliqués mentalement parce que je n'osais même plus sortir de ma chambre dans le noir, j'avais peur que quelqu'un me bute, mais surtout j'étais absolument pas soutenue, hein, tout simplement. C'est pour ça que mentalement c'était dur, parce que mon prof, pas là du tout, mais il n'en avait rien à faire. Arrivé en septembre, je passe donc mon oral. Et qu'est-ce qu'on me reproche ? De ne pas avoir utilisé de livres de chercheurs, mais de livres de journalistes, de professeurs et d'anciens membres du FBI. Je ne veux plus entendre parler de ce master, vraiment, je ne voulais même plus entendre parler de la fac, je ne voulais plus entendre parler d'études. Je voulais juste que ça s'arrête. Et donc du coup, j'ai eu mon master, donc tant que j'avais mon master, tant que j'avais la moyenne, je m'en foutais. Ils pouvaient me dire tout ce qu'ils voulaient, je m'en foutais. Je voulais juste partir. Et donc, j'ai ma note, qui est pas haute du tout, mais voilà, qui est en moyenne. Donc tranquille. On m'a reproché de ne pas utiliser de livres de chercheurs, mais ce mec avait quand même ma liste de livres sur lesquels je basais mon mémoire depuis mars et à aucun moment il s'est dit ça, bah non, ça marche pas parce que c'est pas des chercheurs. À aucun moment il m'a prévenu. J'ai dit j'abandonne, allez, ça dégage, je veux plus en entendre parler. Vous voyez, je me suis dit j'en serais débarrassée et pas vraiment parce que là c'est une bataille pour récupérer mon diplôme. Voilà, ça. J'en sortirai jamais de cette fac. Passons maintenant à tout ce qui s'est passé autour, du coup, de mes études. Il faut savoir déjà qu'en début d'année, j'ai pu interviewer pour la première fois de ma vie une autrice. Cette autrice, c'est Victoria Charlton, vous en avez sûrement déjà entendu parler sur YouTube, puisque de base elle est youtubeuse, et elle parle voilà, de meurtres, de tueurs en série, de disparitions,
et elle sortait un livre sur les disparitions. Et du coup, moi je me suis dit, je sais pas pourquoi, j'ai envie de l'interviewer. Et je lui ai envoyé un mail sans grand espoir de réponse parce qu'elle avait l'air très occupée, et elle l'était d'ailleurs. Et vraiment, je me suis lancée sans espoir en me disant, de toute façon, mon blog il fonctionne pas, ma chaîne YouTube non plus, c'est une catastrophe, je vois pas pourquoi elle s'intéresserait à moi, pourquoi elle prendrait le temps de me répondre. Vraiment, je partais sans espoir, oui, je suis d'un naturel pessimiste. Elle m'a dit, pas de souci, par mail, je veux bien répondre à tes questions parce que, en vrai, je peux pas, en fait, j'ai pas le temps, mais par mail, y a pas de souci. Donc, j'ai eu comme ça ma première interview. Du coup, j'étais un peu stressée, mais ça s'est bien passé parce que le fait d'avoir un écran entre nous, c'était un soulagement un petit peu. Mais je l'ai quand même rencontrée pour la signature de son livre et elle était très sympa et j'ai été ravie que ce soit ma première autrice parce qu'en plus j'adore Victoria, j'aime beaucoup son travail et j'étais très contente qu'elle ait inauguré mes interviews. On va rester sur les interviews et comme vous l'avez vu en fin d'année, j'ai pu interviewer mon autrice préférée qui est Mickey Daughtry et j'en revenais tout simplement juste pas. Je me suis dit vas-y, il est temps d'avoir du courage dans la vie. Et je lui ai envoyé un message sur Instagram, sans attendre de réponse. Je me suis pris un vu, et je me suis dit, voilà, c'est mort, elle me répondra pas. J'avais pas trop d'espoir, etc., surtout avec ce vu, donc je me suis dit, bon bah, tant pis, je vais écrire mon article, et voilà. Et, quelques jours plus tard, j'ai reçu un message qui me disait, bien sûr, pas de soucis, envoie-moi tes questions, j'y répondrai. Mon stress était à son paroxysme, mais ma joie aussi. Moi, petite influenceuse, youtubeuse, blogueuse, tout ce que tu veux, j'ai pu interviewer Mickey Daughtry. Je n'en revenais pas, déjà parce que j'ai dû faire une interview en anglais, alors là, mon stress était palpable. Mais surtout, une autrice comme ça, qui est à l'origine d'un best-seller comme 5 Feet Apart, je me suis dit, mais quoi, mais c'est fou, mais il y a vraiment des gens incroyablement gentils sur cette planète. Je me suis vraiment chiée dessus, hein, y a pas d'autre expression, mais l'interview s'est extrêmement bien passée, Mickey est quelqu'un de très gentil. Au début j'avais envisagé d'interviewer Raquel Lippincott, qui est donc sa collaboratrice, et en fait je me suis rendu compte que l'histoire de All This Time appartenait à Mickey, donc j'ai trouvé plus intéressant de parler à Mickey qu'à Raquel. Autre chose de totalement fou, dans une de mes FAQ sur Instagram, il y a quelqu'un qui m'a demandé quels auteurs ou autrices j'aimerais interviewer, et dedans justement j'avais mis Raquel Lippincott, j'avais mis Antonin Adger, j'avais mis Rosalie Bonenfant, j'avais mis vraiment plein de monde, Becky Albertalli, Adam Silvera, enfin ceux que voilà, ceux que j'admire quoi. Il y a Raquel Lippincott qui a répondu, mais Raquel je savais qu'elle serait totalement down. Il y a aussi Antonin Adger qui m'a dit mais pas de soucis, avec plaisir. Oh, des auteurs et des autrices comme ça, c'est merveilleux. Et là, il y a aussi Rosalie Bonenfant qui m'a répondu, et pour moi c'est un truc de malade parce que je l'admire tellement, j'aime tellement son travail, et j'aime tellement cette personne, que je me suis dit, mais c'est totalement fou si un jour j'arrive à interviewer Rosalie Bonenfant. Et si elle ne sort pas de livre l'an prochain, je le dis, bah voilà, je lui demanderai une interview pour le livre que j'ai déjà lu, parce qu'en fait je suis sûre que l'an prochain je vais le relire. J'ai déjà une folle envie de le relire. Voilà, l'an prochain il sera relu ce livre. Parce que il est incroyable, si vous n'avez pas lu le livre La fois où j'ai écrit un livre de Rosalie Bonenfant, allez-y. Qu'est-ce que j'ai fait aussi en ce début d'année? J'ai travaillé avec Netflix, les gars. J'ai travaillé avec Netflix, mais qui aurait cru que quoi que ça n'avait aucun sens. J'ai été contactée sur Instagram par quelqu'un que je ne connaissais pas, mais qui avait visiblement vu que j'étais très impliquée dans Sex Education. Ensuite, j'ai eu un appel téléphonique d'une heure avec une dame hyper gentille, qui m'a posé plein de questions sur mon rapport avec la série, etc. Sur moi, sur ma personne. Après, j'ai eu un contrat que j'ai signé. Et après, il y a eu une journée entière de tournage. Parce que oui, pour vous, c'est quelques minutes. Nous, ça a été une journée entière de tournage. Et c'était genre au début du confinement que la vidéo est sortie. Donc mon stress était totalement palpable. Et les réactions. Je vais me concentrer là-dessus, les réactions. J'ai reçu beaucoup de positivité, beaucoup d'amour, etc. J'ai reçu beaucoup d'acclamations, de bravo, félicitations, enfin merci d'avoir parlé. C'était hyper cool, c'était hyper bienveillant, c'était hyper sympa. J'ai reçu des témoignages qui m'ont brisé le cœur, garçons ou filles d'ailleurs. Faut pas oublier que les garçons aussi peuvent subir du harcèlement. Et vraiment, c'était super beau. J'ai reçu, je sais pas, peut-être 40 ou 50 messages de personnes qui me remerciaient, qui m'applaudissaient, etc. Que je connaissais pas, que j'avais jamais rencontré, etc. Donc c'est vrai que c'était très étrange et j'avais jamais eu cette forme d'amour sur les réseaux, donc je me suis dit what the fuck.
pour moi, c'était important de parler de ce qui m'était arrivé et le faire à travers une série, c'était une super bonne idée. Donc vraiment, j'ai été ravie d'être pendant quelques minutes Amy. Oui, je dis Amy, ça va aller. Vous allez y aller mieux parce que il y en a plein qui m'ont dit « Ah, mais elle dit aimer. » Oui, en français, c'est aimer. Mais pour vous, je vais dire Amy. Mais derrière tous ces commentaires positifs, je dirais 97% des commentaires positifs, il y a évidemment eu du négatif. Le négatif, bah alors là, alors j'en ai eu un, c'était une pépite. D'ailleurs, j'ai été regarder ce matin les commentaires de cet homme. La grande majorité ont été supprimés. Donc, merci à YouTube. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme message ? Que j'étais qu'une fragile et que je devrais avoir honte de moi de me montrer comme ça. Mais honte, espèce de faible, des trucs mais totalement fous. Que j'étais trop moche pour me faire agresser. Que un mec a marqué « moi jamais je la toucherai, même pour la harceler ». Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Franchement, j'ai eu des pépites que au lieu de me maquiller, je ferais mieux d'aller à la salle de sport. Alors vous qui me suivez sur YouTube, je ne porte quasiment jamais de maquillage, donc c'était très drôle. Que si j'ai besoin de gens pour me défendre, bah franchement, faudrait que je m'achète, comment c'était, du charisme? Ou que je m'achète une virilité? Ah oui, la fameuse virilité. Généralement, je suis désolée, c'était des hommes qui m'ont dit ça. Hein. J'ai pas vu une seule fille me traiter de fragile, de faible, m'insulter, parce qu'il y a eu des insultes, hein, évidemment. Surtout sur Twitter, Twitter c'est un magnifique réseau. Oh, je vais quasiment plus sur Twitter en fait, parce que dès que je dis un truc par rapport à Netflix, que Netflix me retweet, je me prends une vague de haine intense. Je me souviens d'un mec qui m'avait insulté, et il y en a un autre qui lui a répondu, et j'ai répondu à celui qui lui a répondu, en le remerciant voilà, de prendre ma défense, etc., de ne pas faire attention que c'était qu'un débile, et j'ai bloqué la personne qui m'avait insulté. Moment très drôle, il a dit au mec qui m'a défendu, elle a dit quoi, je peux pas voir, elle m'a bloqué. Et le gars lui a juste répondu, haha. Et oui, parce que moi en fait, tu m'insultes ou tu me manques de respect, tu dégages. En fait, je n'ai pas à te supporter, je ne te connais pas, j'ai pas envie de te connaître, j'ai pas envie de débattre avec toi. T'es un con, reste un con. Moi j'ai juste tourné une vidéo de prévention sur le harcèlement dans les transports. J'ai pas cherché la célébrité, j'ai pas cherché tout ça, enfin voilà. Et j'ai pas cherché non plus à me faire insulter. Donc du coup, tu m'insultes, tu dégages. Moi, j'ai fait ça à but préventif. Maintenant, si ça gêne des gens, tant pis pour eux. On a atteint le palier des 500 abonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on est 560. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un palier, c'est totalement fou, c'est totalement cool. Surtout que j'ai une commu très active, très sympa, vraiment positive, très good vibes. Et on parle ensemble. Et ça, c'est cool, j'adore parler avec vous. On a des Netflix parties, on a des lives, on papote ensemble par MP. Enfin, c'est super agréable de papoter avec vous. Et de voir que vous suivez mon travail, que moi je peux vous conseiller des trucs. Bah c'est vraiment, vraiment un truc que j'adore. Qu'est-ce qui s'est passé encore cette année? J'ai eu des partenariats. Alors ça, avoir des partenariats, je ne pensais pas que ça arriverait. Mais du coup, j'ai eu en août France Loisirs. Et j'ai eu, je crois, septembre ou octobre, l'ivresse. Et voilà, enfin, c'était incroyable pour moi qu'on me propose des partenariats. Que je reçoive des livres gratuitement pour pouvoir les critiquer, je trouvais ça fou. Les partenariats, ça se passe très bien. Les gens avec qui j'interagis sont très cool, sont très sympas. Vraiment, c'est que de la bonne ambiance. Et travailler dans ces conditions, c'est vraiment génial. J'ai pu assister à une soirée Book Club PKJ. Pour moi, c'était fou aussi de rencontrer une autrice, voilà, même si on était confinés, rencontrer une autrice comme ça et faire des jeux avec d'autres gens de mon milieu, bah c'était génial. C'est des aventures que je pensais pas vivre. Et que cette année, bah voilà, ça s'est passé. Ça a été plein de surprises. Oh, autre grande surprise, vous êtes 5000 à avoir regardé mes articles de blog. 5000. L'an dernier, je peinais à taper la barre des 1000. Et là, vous êtes 5000 à aller comme ça sur mon blog. C'est totalement fou. J'ai pas réalisé comme ça a grandi. J'ai pas réalisé tout ce qui se passait. Et quand je vais regarder cette vidéo des années plus tard, je vais me dire, bah tu t'es, ça se trouve, enflammé pour rien. Mais c'est fou. Tout ce qui a pu se passer en matière de blog, de chaîne YouTube, de toute l'évolution qu'il y a pu y avoir, c'est incroyable. Pour moi, même s'il y avait le corona, ça a été une super année professionnellement parlant. Même si voilà, je ne peux pas vivre de mon blog, je ne peux pas vivre de ma chaîne YouTube, ça a été une année incroyable en termes de projets,
je me suis lancée dans des trucs que je penserais jamais me lancer. Et il va y avoir de nouveaux concepts à la rentrée que j'ai hâte de vous présenter. Mais vraiment, vraiment, vous me donnez des ailes. Vous me donnez des ailes parce que maintenant, j'ose faire des choses que peut-être avant, je n'aurais jamais osé faire. Je sens qu'il y a des gens derrière moi, je sens qu'il y a une communauté derrière moi. Je sens qu'il y a des gens pour me soutenir dans mes idées un peu farfelues, certes. Mais je sens que je peux y arriver. Et ça, c'est cool que je peux réussir à vous intéresser niveau livre, niveau série, niveau film. Année chaotique scolairement, mais année professionnelle incroyable. Et c'est vrai que, voilà, voir tout ce que j'ai accompli cette année, bah, j'en suis très fière. Et je me dis surtout, qu'est-ce que me réserve l'an prochain ? Bon, j'espère que ça me réserve un travail dans le métier de l'édition, parce que franchement, j'en cherche un. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Merci, merci à vous, parce que sans vous, c'est pas possible tout ça. Sans vous, c'est... voilà, c'est rien. Je suis super reconnaissante de ma communauté, de ce petit noyau qu'on commence doucement à construire. Je suis reconnaissante pour tout l'amour que vous m'envoyez. Je suis très heureuse du contenu que je vous propose et de voir que ça vous plaît, même si voilà, les vues suivent pas toujours forcément. Je suis contente, je suis super contente de tout ce que je vous propose. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Enfin, du moins, j'espère. Salut !